Ah. Salut YouTube, bienvenue dans un nouvel épisode de Gears of War. On était où d'ailleurs? J'ai plus. Non, mais si tu te souviens pas, je te le dirai pas. C'est mieux. Ouais, parce Garder la que surprise. oui, non, mais parce que tu te souviens plus, c'est bon. Ah si, moi je sais. Et donc on est où? T'as dit, faut pas gâcher la surprise. Parce que tu vas souffrir dès que tu vas savoir où on est. On est où là? Cet endroit me dit rien. T'es sérieux? On s'est arrêté juste là après avoir fini ce truc-là, mais comme il n'y avait pas YouTube, on a décrété qu'on arrêtait. Comment on fait pour jouer déjà? Comment? Attends, comment ça marche? Alors généralement c'est la manette c'est dans les mains. Merde, c'est pour ça que ça marche pas. Je sais. Oh, attends. Tu apprends petit scarabée. Quand même quelqu'un qui a dit que t'avais une manette dans le cul, hein. Bah je dis ça, je dis rien. Quoi? Un scandale. Tu apprends vite, petit scarabée. Te voilà sur pied. J'avais oublié que j'avais le joué en pop. français. Parce que Ah oui, vraiment ça, donc? c'est le Cold Train qui a dit que tu apprends vite, petit scarabée. Mon dieu. Ah bah voilà, quand on parle de du Cold. Ouais. Oh Un hominidé. C'est saleté, on la peau dure. Boum. Chargez les armes. Ouais, tiens, prends ça. Quel affrontement intense. Ouais. Ah mon Dieu. C'est parce que le jeu est en train de se finir et qu'il fallait bien qu'il s'essouffle. Oups, je crois que j'ai trigger un script. Oups. Ici, on n'aime pas ça, nous. On n'aime pas ça, les scripts. Oh non. Pourquoi tu gâches des munitions pour tirer sur ces merdes? Parce que je les aime pas. Oui, mais tu peux les one-shot avec un coup de cac, hein. Faut juste attendre qu'il y ait... Et bleu! Et voilà. Et si j'ai pas envie de Et mettre un bleu. coup de cac? Hein? On les éclate. Et bleu. Non. Voilà. Même ton tir était tellement puissant qu'il a entièrement éclaté le mec. Ouais, il s'est liquéfié quand il a senti l'onde de choc. La chatouille. Ouais. Je sens de l'air sur mon crâne chauve. Voilà. Aïe. Ah le petit bâtard. Voilà. Ah, oh, qui quoi? Mais prends-moi mon lanzor. Il est où mon lanzor? Prends-moi mon. Et hop. Je suis sorti. C'était génial. Hein. Tu sortis de la couleur juste à temps pour prendre une roquette qui passait par là. Bah voilà.
crève, hominidé. Putain, c'est la première fois que j'entends le dire en anglais. Il a dit hominidé. Die, hominidé. D'accord, je croyais que c'était qu'une traduction pourrie en français, mais non. Mais y'a que là qu'ils le disent, parce que d'habitude ils disent human. Un joli tir. Je suis traumatisé maintenant. Ok, donc je crois vraiment que mon stick gauche il est en train de mourir sur ma manette. Oh mon dieu, ça m'énerve. Parce que tu vois dans le Jedi Fallen Order là, j'arrive plus à sprinter quand j'appuie sur le stick. Ah merde. Ça, en fait ça, c'est, vas-y, faut que je, tu vois, je sais pas quand tu, comment dire. Je cherche une métaphore pour imaginer la chose. Tu vois, genre quand t'as un insecte immonde qui te saute à la gueule et que tu l'écrases avec ton doigt, t'appuies fort, tu vois. Et ben en fait, il faut que je fasse ça avec mon stick pour que ça marche. Sympa ça. Ouais. C'est super fun. Et même là, le simple fait de le bouger dans une direction, le perso il sait pas ce qu'il faut qu'il fasse. Marcher, s'arrêter, courir, marcher, s'arrêter. Putain de merde. D'accord. En parlant de Star Wars, je l'ai fini. Et bah, je me doute bien. Bah ça date de hier. Et la fin, elle est apte ou pas? Moi j'ai bien aimé. Moi, il y a des trucs qui m'énervent dans le jeu. Bah forcément, oui. Moi j'appelle ça les scripts. Genre quand t'es sur une liane, que tu te balances et qu'il faut que tu sautes sur un mur avec des trucs pour t'accrocher. Et ben le perso, il est scripté pour en fait s'accrocher à un certain niveau du mur. Il peut pas aller plus haut. Ça m'a tué hier et j'ai dû. Enfin bon bref, c'est de la merde. Voilà. J'ai jamais vu ça moi. Bah moi ça me le fait depuis le début. Hein. Ça continue. Non mais quel bordel. Tu vois, moi quand je suis sur une rope, je me mets à peu près n'importe où. Hein. Je tombe là où je veux. Ah bah moi pas du tout, hein. Je peux me balancer comme je veux, tu vas voir, il va se lâcher vachement haut, puis d'un coup il va faire. Il descend 3 niveaux et puis il se met en bas. Ou au milieu, enfin pas en haut quoi. Il est sur quoi le jeu? Hein? Il est sur quoi le jeu quand tu joues toi? Il est sur quoi, c'est bien. Bah je sais pas, tu joues bien à quel médium? Bah sur mon téléphone voyons. Plateforme, connard! Mais PC, j'ai une genius où j'y joue comment? Quel enculé. Steam, sur IE, sur. Ma bite est en dans le temps, je sais pas. Non. Ah, donc à mon avis, ça vient de ça. Ah. Parce que le nombre de fois où j'ai liané et j'ai jamais eu ton problème. Et oui, j'utilise ma manette de 360, celle qui a connu moult murs, défaites, énervement, joie, larmes, tout ça. Plein d'émotions, quoi. Ouais. Et oui, Fallen Order est bien. Il y a des trucs qui sont déplaisants, mais overall, c'est un bon jeu. Moi, je trouve en fait que plus t'avances dans le jeu, plus il est cool. Parce qu'en fait, dans le. Au début du jeu, tu sais absolument rien faire. Oui, ça. Mais vraiment, genre rien. C'est limite pas si t'as besoin d'un tuto pour savoir marcher, quoi. T'as vu comment il marche, clairement. Tes premiers pas, tout ça. Oh, et à la fin du jeu, tu peux faire tellement de merde que ça devient fun. Et alors, le bon point. C'est les différents types de sabres laser que tu peux avoir. Et ça, je trouve ça super cool. Enfin, les sabres, ça change pas l'efficacité, c'est juste du skin, quoi. Non, on parle pas de la même chose. Toi, tu parles du skin. Moi, je parle le style de sabre laser. Genre, une main, deux mains, double, tu vois, ce genre de choses, quoi. Les parias n'ont rien à voir là-dedans. Je sais pas, j'ai pas vu le truc de deux mains. Et le pompe pour le sabre en monolame. Bon sang,
Jack, l'autre circuit. Mais il faudra trouver des panneaux là-haut. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Des panneaux, tu sais. Des voyants verts, des valves. En fait, comment dire, le jeu, je trouve qu'il... J'allais dire qu'il pue, mais non, il sent bon le fan service un petit peu quand même. Je veux dire, c'est mon avis, mais moi je trouve qu'il sent le fan service un petit peu. Et c'est pas un fan service qui pue, tu veux dire, c'est pas. Moi j'ai trouvé ça super cool parce que c'est des trucs que t'aimerais voir dans un jeu Star Wars. Ah bah ils y sont. Oh. C'est bon. Vous avez marché sur le jeu. Et si plutôt que de faire chier le monde à chaque fois, tu essayais le jeu, ce serait pas mieux de te faire ton propre avis, Doodman? Mais il a pas la connexion pour le DL. Ah mais c'est pas mon problème hein, il a qu'à l'avoir la connexion. Il joue bien Battlefield 5 avec Vise hein. Alors. Ouais mais ce qu'il te dit pas c'est qu'il a mis 3 jours 55 heures à le DL. Ah bah qu'il mette 5 jours et 35 heures à DL. Mais non, honnêtement, Fallen Order, au départ, quand moi j'ai vu qu'il était prévu, pour moi, j'étais quasiment sûr et certain que ça allait être de la merde. Bah vu la gueule du perso, vu les devs, oui, c'était... Et j'y ai joué, et c'était une très très bonne surprise. Moi, j'ai juste surkiffé le jeu. Ça marche. Encore un. Est-ce qu'il aurait pu être, je sais pas, plus long? Oui. Est-ce qu'il aurait pu être, je sais pas, différent encore? Oui, c'est sûr. Mais moi j'ai trouvé qu'il était génial. Vraiment. Après, nous ne parlerons pas de la gueule du perso, ça c'est. Au bout d'un moment, tu t'y habitues. Mais t'as moi, pas trop le choix en même temps. Ouais. Bon, c'est un peu le perso principal du jeu, donc bon. Très bien, bouge pas, je vais t'ouvrir. Mais au moins, il est pas insupportable, tu vois. Il reste un dernier panneau dans cette pièce. Passe-le-moi. Faut aller où? Moi je trouve qu'il est plus fade que insupportable par exemple. Mais c'est pas le c'est un adolescent ou un jeune adulte. Faut forcément qu'il soit cringe as fuck, il va être rebelle. Bah après Oyama, perso moi c'est pas que je m'attendais à rien, c'est que je m'attendais à de la merde, c'est encore pire que ça. Du coup, c'était même pas. Pas juste j'étais content parce que le jeu était sympa, c'était vraiment une agréable surprise. Et ça, c'est pas rien. Pendant ce temps-là, je fais la guerre, moi, avec une manette qui déconne. Ah. Bah, c'est ton problème, ça. Hein. Mais putain. J'ai pas trop le temps d'y jouer, j'ai pas trop la place sur le DD, je voulais le bail, mais ma CB a fait des siennes, il a voulu effectuer le paiement. Alors j'avais. Non, alors il faut dire la CB de ta maman, déjà. D'accord ? Les courants sont bons, mais faut changer la polarité du transformateur. Et comment on fait ça ? On peut pas. Faut que je ferme cette boîte. Enfin, oui. Il nous faudrait un tas d'outils, assez de câbles pour. Putain de merde. Sinon, je vais pas m'arrêter. Merde alors, tu veux dire qu'on est coincé ? Ouais. Non, ma CB. Non mais arrête, à 16 ans on n'a pas sa CB, please. Du moins pas une avec laquelle tu peux faire les paiements sur le net, donc arrête. Si, moi j'avais. Moi pas. Heureusement d'ailleurs, parce que j'aurais fait des bêtises. Ouais, bah honnêtement ça aurait été mieux que je l'ai pas non plus. Alors pour la petite histoire, ça a commencé avec... j'ai un compte en banque avec 2000€ et une CB. Ça a fini en un an et demi plus tard, j'avais 200€ sur le compte et toujours ma CB. Bah, y a un PC qui est passé par là et tout. Mais c'était terrible. Mais putain, tu vas. Ah, ça s'appête. Ah, ah hey. Dark Souls ma gueule. Ah. 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 Aidez-moi. Oh.
casses les jambes, c'est là où t'es le plus safe encore. Hein. Ouais. Oh. Là, j'ai pas de chercher, hein. Putain, il l'a fait ce con. Je l'avais dit de pas le faire, mais il l'a fait. Bon, elle est cassée? Elle est cassée. Parfait. Sois pas méchant. C'est pas gentil d'être méchant. Et comme je peux pas bouger la vue, bah là on entend que les bruits et les gémissements. J'ai dû faire le tour de la map pour te raise. Bordel de merde. Ça c'est gentil. Et maintenant je vais à tous les coups mourir. Ce sera ma récompense pour être venu te sauver. Ah, tu peux pas me toucher là. Ah, tu peux pas me... Ouais, si tu tirais dessus. Putain, heureusement que je suis là, quoi. Bah, moi je l'occupe et toi tu me tues, c'est normal. Ouais, bien sûr. C'est bon, faut tirer sur le mec qui est en haut. Il est où? Je vois rien moi. Ah. Ah, mais non, mais tu me dis. Ah. Toi, j'avais moins de problèmes quand j'avais solo ce boss, enfin, c'est terrible. Mais tu peux rien s'il a pris l'aggro sur moi. Vas-y. Bâtard. Ah. Seul contre tous, il solo ta le boss. Okay. Voilà. Merci, au revoir. Putain, je l'ai rouvert. Bah oui, mort sur le câble, évidemment. Écoute, lui aussi il a le droit de floss, hein. Y'a pas que toi, mec. Et moi qui pense moi, je que floss pas. La prison j'ai pas besoin. Anya, le courant du pont est rétabli, on se casse. Marcus, on a perdu le contrôle du train. Maintenant, vous devrez l'attraper lorsqu'il traversera la station de Timgad. Bien reçu. Ah, sauter dans cul. Un train en marche et essayer de récupérer une bombe. C'est de mieux en mieux. What could possibly go wrong? Nothing. Vous faites grève le 5? Hein? Non. De quoi il parle? Pourquoi on ferait grève? Il y a eu à l'échelle nationale un appel à la grève le 5 décembre parce que... Il va y avoir une réforme des retraites. Ah,
Ah oui, la fameuse, ouais. Aïe, mais putain, ça a agressé dès le début, là. Qui, soyons honnêtes, ne te touche ni toi, ni moi. Ouais, je sais, j'ai lu le truc un peu. En fait, ça ne touche quasiment personne. Ouais, mais bon. Les seuls qui râlent, qui souhaitent faire grève, c'est les gens qui ont une retraite abusée, qu'ils devraient pas avoir. Et comme d'hab, bah quelqu'un à qui tu veux prendre quelque chose, bah il est pas d'accord, donc il dit ah bah non, moi si tu me prends 5 euros, je suis pas d'accord. Hein. Alors que je devrais pas l'avoir, hein, mais je suis pas d'accord. Putain, c'est Spawn Camper, quelle bande de sac à merde. Il rate ton analyse et bidon. Eh oh, stop, commencez pas par les politiques sur le stream, sinon je vous banne live. Sans deck. Mon analyse est bidon. Si tu dis ça, j'attends un essai de 150 pages et j'attends rien du tout. Il ferme sa gueule, tu fermes ta gueule, vous parlez pas de ça et fuck. Mais pas là sur le stream. Tu feras ça dans les commentaires s'il te plaît. Ça touche juste tout le monde en fait, mais on n'a pas parlé que des régimes spéciaux, mais ça touche tout le monde, c'est vite comme... Oh, c'est pas un stream politique. Je m'appelle pas MV moi. Je ne suis pas de droite et je suis pas abonné au Figaro. Perdre mon âme, mon arme, mon âme. Je me suis abonné au Figaro, j'ai perdu mon âme. Ah non, j'en avais pas. Oh yeah. Mais non. Non, non. Ah oui, d'accord. J'ai rien dit, je suis désolé. Au revoir. Non, pas les snipers, on a dit. Ah, il est sur le toit, le petit bateau. Bouge. Bon, mon Dieu, il y a tellement de monde. Ils sont où? Ah, ils sont là. Ils sont là aussi. Bip. Putain, mais tu veux bien arrêter de mourir. Et puis, je sais même pas pourquoi Arteus il parle, il est belge. Lui, ça le touche ni d'Ève ni d'Adam. De base. C'est vrai. À moins que la Belgique ce soit une région de France, sans qu'on sache. Et sans polémiquer là-dessus, mais Arteus a tort. Tout simplement. Je suis belge. Bah, allez. Tu dis 70 et 90, comme tous les Belges. Quoi? Quel timon. Mais quoi? Et merde. Ouh. Bon, d'accord. Le mec il est à côté de moi depuis Mathusalem et il viendra pas me reste quoi. Ouais mais si. Te voilà sur pied. Tu vois? Attends, avec ma manette qui déconne, c'est la mort. La mort. Voilà, easy. Get ready. Ah oui, ce moment où ils sont censés mourir et qu'ils meurent pas parce que video game logic quoi. Bah bien sûr. Là, mort. Mort. La mort. La foutre, mort. Le train il fait genre du 130-140 là je pense. Ouais. Et les mecs ils foutent dedans en mode NPGG. Ils devraient être morts les. Mort. Dès qu'on parle de politique ça part en bordel. Mais c'est normal, la politique c'est oui, un bordel. Oui parce que personne n'est d'accord. La bombe est à l'avant du train. Entre elle et vous, ça grouille de locustes. Alors ne perdez pas. Je vais créer une. Tu sais quoi? Je vais créer une chaîne secondaire sur YouTube où là, ça parlera politique. Je vais offrir mon analyse. Moi, je propose même mieux. Tu as créé ton parti politique. Ouais, vas-y, on fait ça. Je crée mon qui gouvernement. Qui s'appellera la. Ah non, je sais pas. La religion des colères. J'allais proposer un truc, mais il y a ton nom dedans, donc ça le fait pas. Ouais, mon nom de famille? Non, on va éviter. Non, bah non, non, bah non. Mais putain, je suis sûr qu'il y a un bon truc là.
Ah ouais, y a un truc à le faire. Le parti dissident. Le parti dissident. Moi je trouve qu'il y a un petit quelque chose. Tu ouais, y'a des trucs à faire. Mais pourquoi t'es mort? Mais je sais pas. T'es sorti debout là. Y'a eu une explosion qui est mort. Ah bah. Mais vous pensez quoi du voile? Oh, va mourir. Enfin, juste mourir. Attention. Oh, coucou. Alors, ce que j'en pense, c'est que j'en pense rien. En fait, tout le monde fait ce qu'il veut. Voilà. Ah bah, voilà. Ah bah non, mais t'es mort. Blablabla. J'en ai tellement plein le cul des fois, ce jeu. Mais viens là. Non. Je demande à être remboursé de ce jeu. Extrême droite. Aller que j'ai pas payé du coup, mais je demande à être remboursé de ce jeu quoi. Genre, tu l'as pas payé. Enfin si, avec un mini abo quoi. Putain, leur flèche de ses morts, espèce de petit. Non, qu'il était à moi. Un homme une idée. Que je me dise que ouais. Je pense pas que mon point de vue soit plus pertinent, j'essaye juste qu'il soit plus logique, c'est tout. Et moi je prends pas parti en fait, je m'en fous des parties, c'est de la merde de base quoi. Seul problème c'est que t'auras du bon et du mauvais partout, comme dans à peu près tout dans la vie quoi. C'est ça. Sauf que là on va te dire, bah vu que t'es de ce parti là, tu dois avoir tel avis sur telle connerie. Tu vois. Tu sais ce qui est très mauvais, je vais mourir. Voilà. T'es mort. Je suis mort. Alors ce qui est mauvais pour la santé déjà, c'est mourir, hein, effectivement. Et ce qui est encore plus mauvais, c'est de prendre une fléchette explosive entre les dents. Ça, effectivement, ça a tendance à réduire ton espérance de vie drastiquement. Mais putain, manette de merde! Je peux pas te laisser dire ça, je suis sûr qu'elle a rien de fait spécial. Je suis en train de mourir, eh merde. T'es mort. Ah, sur le sujet du voile. Ouais, mais le sujet du voile, c'est un truc un peu... c'est voilé, c'est à demi-mot, tu vois, on dit jamais les choses, celles qu'il faut. Non mais j'ai quand même dit ça, on parlait de fucking politique sur ce stream et depuis 10 minutes on fait ça. Bah ouais. Je t'ai dit, le parti dissident. Depuis, je fais vous la guerre. Vous avez interdiction de parler de politique. Yeah. Non, il a pas fils. Je me suis dit, il y a Wesh prendre la chance de fail toute la mission à côté de toi. Et ça, c'est pour moi, c'était beau. Il fallait le faire, c'était un geste. Putain, je vais. Cette manette, elle va pas finir la soirée, elle va finir démontée contre un mur. Ouais, mais si tu démontes la manette, on pourra pas finir le jeu. Ouais. Si on finit pas le jeu, bah on finit pas le jeu. Donc c'est pas bon ça. Pas de palais. Pas de palais. Il est sorti à tête, il m'a insta one shot quoi. Tiens. Ce que j'aime bien avec dans ce jeu, c'est que le sniper tu peux unscope quoi. Et t'as quand même un viseur. Et ça c'est une belle chose moi je trouve. Video game logic. Jack Jack. Parce que du coup t'as aucun intérêt à viser à moins d'être à 150 mètres quoi. Putain le mec il est en train de te baiser tellement fort là. Ah, t'as vu la manette là que tu voulais pré-order. Enfin que tu voulais prendre, bah en fait elle était en solde. Bah oui je voulais la prendre à 5 balles 50 mais bon en 5 minutes ils ont tout vendu quoi. Waouh. Et oui Arteos ils arrêtent la prod, c'est pour ça qu'elle a 5,50€ en vrai. Hein. C'est pas parce qu'ils sont généreux et altruistes. En vrai. Oh putain, mais cette. D'ailleurs, moi je me suis tâté. J'ai vu des beaux prix sur des graphiques. J'avais envie de m'acheter une graphique. Et là, je me suis dit, là, tu vois, tu sais que c'est une erreur, mais t'as quand même envie de le faire. Mais tu sais que c'est une erreur, mais t'as envie de le faire. Mais c'est une erreur. Moi, j'ai pas fait. J'ai dépensé 1600 boules dans un PC il y a pas longtemps. Donc, je me calme. Défini il y a pas longtemps que c'est ton PC. Ta manette de. Naa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 a
putain, j'en peux plus de cette manette. What the fuck. C'est les balles qui t'étaient destinées. À ce prix là c'est donné, bah oui plutôt oui. 5€ c'est même pas le prix coûtant je pense, si il y a moyen que ce soit coûtant quand même. Non je pense pas. Non, c'est pas le prix coûtant quand même. Ils ont vendu à perte à 5,50€, faut pas déconner quoi. Bah je sais pas en soi, les trois quarts des trucs c'est des micro-composants qui sont pas si chers que ça. Hein. Ouais mais bon, t'as des trucs à retour haptique, un accéléromètre, un gyroscope, trucs tactiles, oui, ça, à mon avis, machin. C'est des trucs pas vrai écouter du tout. Hein. Quand t'y penses, ton accéléromètre et tout, tu l'as dans à peu près tout et n'importe quoi maintenant. Donc ouais, je bon, pense que niveau production, ça doit être tellement massif que... Ouais non, elle était pas 5,50€. Une dizaine d'euros je veux bien, mais pas 5,50€. Ah je sais pas, à voir. Faudrait voir quel est le prix réel d'une manette. On peut pas vendre à perte en France. Bah ça tombe bien, Steam c'est pas français. Oui, mais ça a rien à voir. Elle est à 5,50€ dans le monde d'ailleurs. Précise. Bah du coup elle était pas à 5,50€ dans le monde. Ils utilisent pas des euros dans le monde. Mais si. Une berserker. Ah non. La suite dans le prochain épisode YouTube, merci d'avoir regardé, salut.